Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, qu'est-ce que tu veux? Toi, ton crâne, il va manger ta mère. Tiens, 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 tiens. Voilà, ta grand-mère t'es en colère. Ouais, il vole, tricheur. Voilà qu'un tricheur. Descends ta mère, descends. Ouais, tu me frappes. Frappe, vas-y, frappe. Oh, tricheur. Oh, tu jettes des boules. Voilà que tu jettes des boules, t'as pas le droit. Teuf. Ouah, notre dragon est arrivé, merde. C'était pas prévu, ça. Viens, descends. Descends, descends. Finalement, on va l'affronter. Il frappe avant de se replier. Sale lâche. Sale chien de dragon, là. Salut tout le monde, comment ça va bien? Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Parce que s'abonner, ça trop le cul. Allez, salam les frérots, les sur YouTube, bonhomme masque béniché. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, on est sur la suite. La suite de l'aventure de God of War. Ragnarok. La dernière fois, on avait pété la gueule à Imdan. On avait fait du sale entre sa tête, on l'a traîné au sol. Sa tête est devenue une serpillière, frère. On a fait comme ça. Oh là, alors tu faisais l'ancien, hein, est-ce qu'il veut y arriver? S'il te plaît, tue-moi, s'il te plaît. Allez, trou du cul, moi. Donc n'hésitez pas à aller à liker, à commenter, bien sûr, à vous abonner, ça donne de la force. Bienvenue nouveaux abonnés, je vous kiffe tous, bande d'enculés, vous savez pas à quel point je vous insulte parce que je vous kiffe tous, absolument tous. Et vos commentaires me font très plaisir. Allez vous chercher une boisson fraîche, une boisson chaude, un petit truc à manger, une petite frangipane. On va sur la frangipane, c'est tellement bon la frangipane. Tellement bon. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il raconte lui? On va mettre la petite cam. Il a veillé sur toi pendant ton sommeil. Un deck qui t'a pas fait des trucs bizarres dans ton sommeil. Et t'as pas fait les fesses. Il t'a pas lavé le cul. Donc, armes, on a quoi améliorer? Les armes. Faudrait que j'améliore. C'est quoi ça? Ça, c'est vraiment bien. Par contre, ça, c'est vraiment bien. Avec la compétence piège du serpent. Je sais pas c'est quoi la compétence piège du serpent. Les frérots, vous savez c'est quoi la compétence piège du serpent? C'est quoi piège du serpent? On va regarder. Parce qu'il me dit un regain de santé à chaque coup avec piège du serpent. C'est quoi piège du serpent? Je n'ai jamais entendu ce coup. Piège du serpent. Maintenez R2. Ah ouais, mais frère. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Exécuter des frappes supplémentaires prolongées en appuyant R2, R2. Ah, c'est le coup là, non? 3 fois R1, R2, R2, R2. Et après, ça fait quoi? Ça rajoute. Ça fait. Truc. Ah, c'est bien ça. Ah, ça, c'est bien, putain. Et ça, c'est quoi? Lorsque vous rappelez la hache avec triangle maintenu. Oh, ça, je prends direct. Ah, ça, je prends directo. Tu peux faire des combos de fou. Toi aussi, je prends. Ça va vraiment servir. Donc, on avait vu la hache. Je vous disais quoi, bande d'enfoirés. Donc, il y a ce coup-là qui était bien. Mais apparemment, il y a ce coup-là. Ça, c'est un truc de fou. Non, c'est pas ça. Ah, ça, ce qui paraît, c'est bien, ça. Et en dégâts givre et tout. Ça, ce qui paraît, c'est mieux que le truc. Parce que ça prend du temps. C'est bien, ça. Mais qu'est-ce que ça prend du temps, sa mère? Laisse tomber, hein. Donc on verra par la suite ce qu'on fait. C'est pas des coups façon que j'utilise énormément. Ça amélioré au max. La lance. Ah là, ça, c'est de. Ça très bien, mais ça coûte cher toutes ces merdes là. Relique. On a le truc qui ralentit le temps. Oh, une tuerie. On a l'amulette. Je vais arrêter de parler comme un coteau. On a l'amulette comme ça. Hop, hop. Vertu d'Asgard. Nanana. Il faudrait qu'on débloque le dernier truc de l'amulette. On a débloqué des bêtes de trucs, je pense, hein, en termes de... Augmente les dégâts corps à corps. Lors du glissement de royaume. Ça, faudrait que je l'améliore. Emblème des 9 royaumes. Faudrait que je l'améliore. Franchement, emblème des 9 royaumes. Si, je peux en avoir 3. C'est magnifique. Mais on va en enlever un. On va enlever ça. C'est quoi qu'on va enlever? On va enlever ça. Augmente les attaques. Non, c'est pas ça. Augmente. On va mettre ça. Parce que ça, c'est vraiment important. Voilà. On va voir qu'on va améliorer. On va améliorer quoi? Est-ce qu'on peut améliorer l'armure?
Non, ça on peut pas améliorer cette armure-là non plus. On peut améliorer sa ceinture spirituelle, toujours pas. Il manque des lingots asgardiens. L'amulette. Est-ce qu'on peut améliorer l'amulette? Enchantement. Ça c'est quoi? Il y a plein de trucs les frères. Il y a trop de bails. Je vous mens pas qu'il y a trop de bails. Trop de bails. Il y a trop de bails. Donc non, c'est pas ça. Hop. Et pour le fiston, Il veut quoi le fiston? Fiston qu'est-ce que rejeton. ce sera? Non, c'est l'amulette. Elle est Ben, où quand là? tu veux. On va l'améliorer son truc à lui, Arc. Je te remercie. Qu'est-ce qu'il te Voilà. faut? Bah, je crois qu'on a tout, hein. Relique. Maintenant, elle est où l'amulette? Elle est où l'amulette, les frères? Ouais, Quelque elle est chose où pour le l'amulette, les pied? gars? Vous trouvez, elle est où l'amulette? Mais je la trouve pas. Voilà, je la trouve pas, elle est où? C'est moi, je suis con ou quoi? Moi, je dois être con, c'est pas possible. Je dois être con, c'est pas possible, hein. Je dois être sûrement con. Ah, mais Alors, voilà. tu as fait ton Elle est là. choix. On peut pas l'améliorer? Oh, putain. Faut un bijou de Yggdrasil. Je sais même pas où on trouve où cette merde. Attends, je crois qu'il y avait autre chose. Y a autre chose? T'as quoi à dire? Heimdall est mort. Bien, vraiment? Écoute, j'y connais rien au destin, mais je sais que Heimdall C'était un est un emploi, c'était une enfoiré sans merde. vergogne de première C'était classe. une merde. S'il voulait s'en prendre à ton petit, alors c'est une bonne chose qu'il ne soit plus de ce monde. Exactement. Les normes ne le voyaient pas de cet œil. La vie de ces trois vieilles peaux recluses vaut pas Un un pet de chèvre dans un ouragan. peu de T'as chèvre. fait ce qu'il fallait. Y a pas à tortiller. Il n'y a pas à tortiller des illusions, hein. Donc. Là, normalement, on doit continuer avec Freya. Bien. Que fait-on maintenant? On se cache. Ouais, c'est qui crie comme ça? Waouh! Dinguerie! Ah, il est venu, lui, Yannou! Oh, c'est un cochon, Qu'est-ce que Yannou! ça veut dire? Elka a flairé quelque chose. C'est peut-être important. On ferait mieux de la suivre. Mais pourquoi il se transforme en cochon? Eh, il aime trop être un cochon, lui, hein. Voilà, il aime trop être un halouf, hein. Des traces. Celle d'Elka. Où tu nous emmènes, ma belle? Ma belle ou ma grosse? Ma grosse belle. J'ai pas un café, il y a un coup de poisson là. Ah. Ah, vomir. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? On n'est pas Ben. obligé de rentrer tout de suite, tu sais? Ouais, ben on va suivre le halouf, you le halouf. Je comprends, ah, you le cochon là. Et imagine mission secondaire avec le halouf. You le cochon. On est parti par où, frère? C'est transformé en poisson ou quoi? C'est un thon maintenant. On va voir la carte. C'est quoi ça? Un parfum de survie. Ok. Il est où un parfum de survie? Il y a des missions secondaires. Ils sont là, non? Un parfum de survie. Suivre la trace d'Elka. Ok, c'est ce qu'on. Devait faire. Bon, on va faire ces petites missions secondaires, là. Voir ce que ça donne. Ils sont pas mal, les missions secondaires dans le jeu. Ils sont vraiment pas mal. Regarde, des traces. Celles de notre chienne à l'odorat développé. Nous sommes sur La la bonne voie. chienne, c'est notre chienne. C'est notre petite chienne. Hé, ma grande, on est là. On ferait mieux de la suivre. Non, comme ça, non, ici, là. Ici ou là-bas? Je comprends hop, moi. Ah, c'est par là, on est d'accord. Ouais, la petite chienne. Allez, la petite chienne. Sacrée pisteuse, cette petite baveuse. Pourquoi il parle de elle comme si c'était une meuf? C'est un quemé, non? Peut-être c'est un nom binaire. Peut-être qu'il se considère comme un trans. Peut-être qu'il a fait sa transition, non? C'est possible qu'il a fait sa transition, non? Voilà. Parce que les traces du halouf. Elka a laissé Mais la d'autres petite traces. cochonne. J'ose le dire, elle me semble aussi bonne pisteuse que toi. Elle me surpasse. Mes yeux peuvent me tromper.
Par contre, Muzo, ça c'est vrai. Est-ce que tu aimerais pouvoir te changer en animal de temps en temps? Non. Et... ouais, mais tu comment il dit non? C'est quoi? En fait, ça j'ai pas vraiment compris. Il y a un truc, j'ai pas trop compris le délire avec Jour Noir, à part que ça débloque certains moments du jeu, en gros. Je pense que c'est ça, en fait. Ok, ça sert à rien. Ok, juste pour voir, là. En gros, il y a les trucs là, comme ça, là. Là, qui pète. Ok. On va suivre Belko, Elka ou Elka? BKH s'appelle. Comment il s'appelle? Belka? C'est quoi ça? Allez, meurs ta mère, meurs, tiens. Regardez-lui, hop, regardez-lui. Regardez. Ah, j'aime trop ce coup-là, là. Non, pas celui-là. J'aime trop ce coup-là, là. Oh là là, celui-là, là. Oh là 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 là. Oh là. Elle est partie par là, là, la chiennasse. Ah, elle est passée par cette corniche. Mais on ne peut pas la suivre à cette heure de la nuit. Ah, ok, ça en fait, c'est un prétexte. Jour, nuit, en fait, ça débloque certains moments. Certains trucs, certains bababai. Ça débloque des bails, bababai. Donc, on va voir, on va passer en jour, là. Vas-y, on passe en jour. Mihalom shalom kanum destla rosa. Mais c'est Harry Potter, hein. Harry Potter de Marrakech. Qu'est-ce qu'il y a des sorcières à Marrakech, les frères? Ah, je vous dis pas. Ah, la vie, je la connais comme ma poche. Hein. Je la connais, je crois, hein. Mieux que le roi lui-même, Marrakech. Et qu'est-ce qu'il y a? Pouh, qu'est-ce qu'il y a des sorcières, les frères? Après, tous les Marocains, hein, Bula, c'est pas comme ça, mais... Ouais, à Marrakech, frère, c'est pas le Maroc, Marrakech. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Bon. Autre sujet. Ouais, comme... Ouais, c'est un chien, c'est une chienne ou c'est un cochon, Zébi, wesh. Wesh, c'est quoi ce bordel, là? Ça doit être Birgir. Elle veut qu'on aille le sauver. Ah, Birgir, il est vivant, hein, ce gros lard de Birgir. Attends, on va voir, y a quoi par là, les frères, non? Birgir, il peut s'en sortir. Ouais, rien de spécial. Ok, Birgir, on arrive, Birgir. Birgir! Birgir, on arrive, Birgir. On va sauver Birgir. On l'appelle Birgir, maintenant. Allez, Birgir. Birgir! Birgir, petit bête. Tu peux rentrer, maintenant, Elka. Allez, rentre, une grosse cochonne, va. Oh, c'est quoi? C'est mon bateau volant. Wow, c'est une tuerie, ça. Voilà, il va me donner des informations sur Elka. Elka particulièrement cochonne. Ah non, particulièrement corpulente. Ah ouais, ah, j'ai cru que c'était un hellouf, les frères. J'ai cru que c'était un cochon. Voilà, elle a un corps de cochon, mais c'est une chienne. C'est une sale chienne. Pardon, c'est une chienne. Elka est la chienne du camp. Oh, 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 oh. C'est pas très gentil, ça. Hein. Du camp des frères. C'est une traqueuse. Hors pair. Et si Birgir parvient à rentrer vivant après sa chute dans la jungle, il va être vivant, mais avec une couille en moins. C'est à elle qui devrait la vie. Vas-y, mon niveau, Birgir. T'as une tête de con, hein, toi, un peu, Atreus. Est-ce que t'es con? Comment wow, aurait-il survécu à une telle chute? Après, magie, peut-être. Par magie, c'est un magicien. La question quand on l'aura sorti de cette situation. Wesh, c'est mission secondaire. Elle tue ta mère, la mission secondaire. Elle est moins secondaire que certaines missions principales. Wesh, c'est incroyable, ce jeu, tout le contenu. Nous devrions pouvoir repérer Birgir de là-haut. Pourquoi tout le monde avait l'air d'avoir peur de cet endroit? À ce propos... Ouais, il y a un dragon. Oh,
je tombe. T'as vu comment il a survécu comme ça. Je vais bien. Et toi? Et il revient dans ma main le bateau. Hein. Il avait l'air en colère. Pourquoi, à ton avis? On va lui niquer sa mère, on va lui poser la question après. Je me demande où on est. Cela semble dans ton cul. On est dans ton cul, Atreus. Dans ton petit cul d'ado. Dans ton petit cul d'ado qui plairait à beaucoup de youtubeurs. Attention. Hein. Il y a des youtubeurs qui aimeraient bien te faire des fesses. Oh là là, j'en connais certains. J'en connais pas personnellement, heureusement. Mais il y en a beaucoup. Donc attention, Atreus. Attention à tes fesses. Putain, un jour vous allez venir sur YouTube, ma chaîne, elle sera ban, il n'y aura plus rien. C'est quoi, c'est une mission principale en fait? Ah non, non, c'est par là, je veux dire, ça va. Ah ok. Là, il y a un accès mystique et là, c'est ok. Wouah! Ouais, c'est dragon, voilà, il est trop beau! Ce signal, Birger est en vie! Si ce dragon continue, plus pour longtemps. On va lui lever sa daronne à ce dragon. On voit quoi? Mais... Bah c'est moi qui l'a fait. Comme lors de mon combat avec Thor. Mais pourquoi y en aurait-il un similaire à... Ah, quand mes jours là, ça va débloquer cette zone. Lui, plutôt. Oh, on a débloqué une grande zone, là, Zebby. Zebby. On va pas affronter le dragon maintenant, on va pas courir un peu. Son dragon, il est loin quand même, non? Allez là, mission sur vous. Wouah, c'est une île complète, en fait, ici, là. Des missions secondaires et tout. Tu veux quoi, mon ref? Tu veux quoi, mon ref fantôme? Mon frère du notre mère. Le jour où cette vallée a été détruite... Il n'était pas une pierre. C'est déchiré, coupé en deux. Une part de moi repose ailleurs, avec mes restes. Peut-être qu'en reconstituant cette broche, tout deviendrait plus clair. Je serais en... Que te rappelles-tu du jour de ta mort? Tu te rappelles quoi, frérot? Comment t'es mort? Je me souviens que j'étais nerveux. Nerveux? Cette broche. J'allais demander sa main à ma bien-aimée. Oh là là. Wow. T'inquiète, je vais m'occuper de ta bien-aimée. Et je peux dire que je vais bien l'aimer. Où sont-ils? Ils sont tes restes. Ouah, c'est trop long, frère. C'est trop long, ton histoire. Elle est trop longue, frérot. On n'a pas le temps, là. Voilà. Les gameplays durent 30 minutes, frère. Tu parles 40 minutes. Ok, par là, donc, sa mission secondaire à lui, là. À ce trou de cul, là. Il y a plein de trucs à faire ici, par là. Nous ignorons si Faye est venue ici. Certes, mais cet éclair gelé raconte une histoire inachevée. Et une histoire inachevée. Ok, ok. On va voir ça. On va voir ça rapidement, par contre, on va pas perdre trop de temps là-dessus, là. C'est quoi, là? Là, il faut faire quoi, là? Il faut aller où, là? C'est pas ça. Oh, oh, où je vais? Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais devoir faire tout le tour. Tout ça, là, c'est secondaire, là. Ah, déjà, la mission, là, de base, elle est secondaire, mais... Vous m'avez compris, quoi. Parce que le dragon, il est vers là-bas, on va pas aller vers le dragon. C'est le même que l'éclair gelé de Midgard. Pourtant, je ne suis pas venu ici. Étrange. Oh, y'a un autre dragon! Un mini dragon! Oh, toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Toi, si, qu'est-ce que tu veux? Toi, ton crâne, il va manger ta mère. Tiens! Voilà! Ta grand-mère, t'es en colère! Ouais, il vole, tricheur! Voilà qu'un tricheur! Descends, ta mère, descends! Ouah, tu me frappes! Frappe, vas-y, frappe! Oh, tricheur! Oh, tu jettes des boules! Voilà que tu jettes des boules, t'as pas le droit! Ouah, le dragon est arrivé, merde! C'était pas prévu, ça! Viens, descends! Finalement, on va l'affronter! Il frappe avant de se replier! Sale lâche! Sale chien de dragon, là! Cette bosse a l'air bizarre. Oh, tu m'attaques comme ça, toi? Toi, tu m'attaques comme ça, toi? Tu me dis même pas salam alaikum, tu m'attaques. Ah, salam alaikum, frérot. Tiens, ta mère, tiens. Vas-y, fume-le, fume sa grand-mère. Vas-y, fume-le.
Voilà, voilà, t'as fait le fou. Fallait pas faire l'ancien. Voilà qui est curieux. Pourquoi c'est curieux? Aucune idée. D'où ma curiosité. Mais les cristaux sont précieux. Nous leur trouverons bien une utilité. Ah, j'ai trouvé des cristaux spéciaux. Voilà, c'est fermé, là. Ok, donc c'est une entrée qui est par derrière, qui mène à ici, qui mène au terrier, là, qui m'a dit, grand, là, garçon. Un jour, je pars comme ça, un jour, je vais rester kéblo, comme ça, hein. Je vais parler comme un chabert, comme ça. Tu vas me voir, mec, BDG, arrête de faire... Tu rigoles ou tu fais exprès, là? Je dis, allez, frère, je suis kéblo, quoi. Nous sommes donc sur la bonne voie. La bonne voie. Au début, le dernier qu'on a rencontré ressemblait à un tas de cailloux. Ok, ouais. Vaincre le mangeur d'âme. Il est par là-bas, le mangeur d'âme. Il va plus rien manger. Je vais tellement lui casser ses dents. Là, je suis pas venu par là. Si ? Des vannes vivaient ici ? Mais c'est qu'un cratère. Ce n'était pas un cratère quand il vivait là. Il s'est passé quelque chose. Abruti. Quoi ? Une explosion ? Elle a dû être vraiment puissante. Peut-être un truc sismique. Ouais, vous voyez, tout se passe ici en fait. Et il crache le feu, il se barre, hein, cette merde. Hein. Ah merde, merde, merde! J'ai activé, je voulais pas activer. Sur ses ailes, on va mettre sur ses ailes, on va péter la gueule. Descends ta mère. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Il veut pas descendre ou quoi cette merde? Je te jure, il veut pas descendre. Descends! Mais il veut pas descendre. Je te jure, cette merde, il veut pas descendre. Comment va-t-on rejoindre Birgir? On peut pas traverser ce canyon. Alors cherchons un autre. Oh là là, oh là là. On a encore un autre! Oh, ça, c'est labyrinthique ici, hein. Voilà, c'est labyrinthique. Peut-être l'arbre, là, on peut pas monter sur l'arbre. Non, mais là, faut avancer par où, là. Là, il y a une tournade, frère. Tourbillon. Ils sont plutôt petits. Magiques, peut-être. Ils sont un peu étranges. Que veux-tu qu'on fasse à leur sujet? Je sais pas. Peut-être que si on revient la nuit, ils auront changé. Oh, en fait, faut tout faire ici, en fait, la nuit. Hein. Ici, faut tout faire la nuit, je crois. Ouais, ici, faut tout faire la nuit. Y'a rien à faire de jeu, en fait. Le dragon, faut le défoncer la nuit aussi, ou quoi? Moi, je vais me battre avec le dragon. Il me laisse pas me battre avec le dragon. Oh, le bâtard! Viens, bah viens. Oh là, mais 20 ans à venir la hache. Oh là, il est là, lui, où, là? Oh, tu crois que tu me fais peur, tes trucs, là? Oh non, non, la patate, regardez, en feu, en feu, en feu. Oh là, je vais péter sa gueule. Oh là, t'as pété la tronche. Un coffre là, on n'a pas pris. Le coffre tout à l'heure, on n'a pas pris là-bas. Il n'y a pas moyen d'aller en face. Là, il y a un truc. Je te jure qu'il n'y a pas moyen. En fait, il faut aller... Pour revenir la nuit, mais il faut débloquer le truc qui est là-bas. Parce que le truc qui se débloque la nuit, il n'est pas ici. Donc ici, on a l'ennemi de la mission, la mission secondaire, en gros. On va changer les flèches. Oh, le frère, il fait des coups, calme-toi.
Hop, on va lui balancer ça. Ça va le calmer. Oh, t'es lent, frérot, quand même. T'es un peu lent pour moi. Oh, oh, t'es comme ça, tu veux faire des super coups. On va faire des super coups. Wow, la crame-toi ta mère. Ah, il m'a fait essayer de me faire un super. Oh, oh le chien, c'est ça le chien, tiens, tiens ta mère. Wow, on tranche en deux celui-là. Et moi le malin. Le journal qu'il a perdu nous en dira peut-être plus. La voix du mensonge, mes frères. Nous sommes laissés abuser, nous avons dédié nos vies à suivre la voie, consacrée chaque instant à chercher sa destination. On nous a parlé de la gloire qu'il y avait à l'arpenter, de la vérité que nous pourrions trouver au bout du chemin. Mais il n'y a aucune vérité à trouver. La voie ne mène pas au salut, elle ne mène pas à l'illumination. Elle ne mène qu'à la conquête, à la cruauté, au sang. Je vais m'écarter de la voie, j'espère que vous me suivrez, votre frère Birgir. Hein, c'est son frère Birgir. Écrit par... Bah ouais. Birgir. C'est peut-être lui qu'il était venu chercher. Et voilà, on a trouvé sa broche. Nous t'apportons ce que tu as demandé. Merci. De rien. Mon amour, ma tante Folkwanger. Von Volger. Je peux même pas passer l'éternité à mes côtés. Comment pourrais-je vous remercier? Dis-nous ce que tu sais de ce jour. Je me rappelle être entré dans une halle à hydromel et y avoir vu Thor. Ah, ce chien de Thor. Vous savez ce qu'il faisait là? La rumeur colportait qu'il cherchait un avant-poste militaire. Ah, c'est Thor qui a causé tout ça. Je ne voulais pas avoir d'ennui, alors j'ai filé. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais peut-être d'autres en savent-ils plus. Désolé, je suis un peu enrhumé, hein, si vous m'entendez un peu renifler. Et des fois, je tousse un peu. Avec fragment qui confère un gain d'esprit de protection de puissance jusqu'à mort et proche. Quand la santé de Kratos atteint ses critiques, offre une courte barrière d'invisibilité, un bonus de force suivi d'un regain de santé. Putain. Elle ne l'aurait pas fait avec lui. Il arrive qu'on ne connaisse pas très bien ce que l'on aime, mon frère. Encore un de ces mystérieux cristaux. J'ai pas compris ce qu'il a dit avec sa femme, je parlais en même temps. J'ai pas compris. On va voir ce qu'il y a par là. Oh, par là encore, il y a un chemin. Oh, et là, c'est... J'ai entré un truc qui est rentré. Je sais pas si vous avez vu. Je crois qu'il y a un lézard ici. Un lézard, il est là-bas. Ah, mais par là, si je mets comme ça, le lézard, il réapparaît pas. Bah si, hop. Ah, hop. Bah, genre, je l'ai pas niqué. Oh, c'est nimp. C'est nimp, c'est nimp. Donc, par là, on a le truc pour changer... Rigole, connasse, je vais revenir. Par là, on a des trucs pour changer. On avait un autre chemin qui menait en bas. Je sais pas si vous avez vu. Et tout ce qu'il y a en fait deux jours, là, on l'a fait. Hein. En fait, tout ce qu'il y a deux jours, là, on l'a fait. Hein. On va juste voir ce qu'il y a en bas. On va monter au truc. Comme ça, dans le prochain épisode, on va affronter le dragon. Je vous tease un peu le prochain. Hop. On va voir ce qu'il y a par là, en bas, là. Je sais même pas si on pourra remonter. Hein. C'est pas grave. T'as vu, c'est quoi? Les Dolines. Région zone secrète découverte.
Waouh, il y a encore une zone secrète dans une zone qui est à la base secrète. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. C'est quoi, ça? Ouais, c'est quoi, ça? Ouais, ils s'entraînent Ken. Sur un vide, moi, ils s'entraînent Ken. Ah, quand je suis mis, ils se Ken plus, hein, ouais. À la base, ils s'entraînent... Ouais, ils s'entraînent ce Ken. Là, c'est ouf, hein, God of War. Hein. Une scène de Ken normal, ils mettent. Ouais, c'est des oufs. Ah, ouais, dès que j'allume le feu, là, ils arrivent plus, ils Ken plus. Oh, oh. Oh, c'est quoi, ce bordel? Par le Dieu, qu'est-ce que c'était? C'est quoi, ça? Est-ce la Terre ou autre chose? C'est un monstre, ça. Étrange. Quelque chose les provoque. Ouah, il y a encore un autre truc à faire. C'est ouf. Enfin, j'ai réussi. Enfin. Wow, je suis resté wahad au moins 10 minutes dessus. Hein. Pomme, tout ça pour une pomme. Frère, tu vas à Carrefour, achète-toi des pommes, et t'es là, tu fais clochard pour des pommes. T'es un paumé. Oh, merde, shit. Nya. Oh, la pute. Oh, la salope. Sale chien devant. Merde, merde, mais il y a du mal à changer les armes là. Oh, c'est chaud là, c'est quoi qui me jette du poison là? C'est quoi qui me jette du poison là? C'est ça non? Wesh! Où est-elle passée? Elle est partie où? Les chasseresses disent vénérer Scafi, mais elle tue sans raison. Scafi ne l'aurait jamais accepté. Non. Il y a une raison, même si nous ne la voyons pas. Ouais, exactement. Il y a un truc. Là, il y a un autre. C'est quoi, ça? C'est là, je crois, qu'il a le truc qui fait du bruit, là. C'est encore son dragon. Non, c'en est un autre. Un autre dragon, les frères. On va lui péter sa gueule. Bien. Il veut pas venir, hein. Il a peur, sa mère. C'est quoi, là? Qu'est-ce qui m'attaque? On pourra rien faire tant que ce dragon sera là. Attends, attends, viens, on fume. Viens, on fume lui, comme ça on est tranquille. On va s'occuper du dragon là. Oh, c'est quoi ces ennemis là? Ils me jettent des. Du poison. On va briser ce pilier. Quel pilier? Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Tiens ta mère. Oh, allez hop, t'as plus de endroit où aller. À un moment il va se poser, on va lui péter sa gueule. Et qui encore on peut pas ouvrir. Ok. Enfin, à chaque fois qu'il se met sur un pilier, en fait, il faut lui casser le pilier. Au moins, on va affronter un dragon dans cette vidéo. C'était pas prévu. Mais au moins, on va en affronter un. Il y a aussi à couper. De toute façon, il y aura beaucoup de coupures, je pense, hein, dans cet épisode. C'est normal. Hein. Oh, le chien, le chien. Oh, le dragon chien. Le chasser où il reviendra. Bah vas-y, viens, on chasse. On attend quoi, frère? On peut pas traverser. Trouver un moyen d'attendre les repères du dragon. Bah ouais. Ah ouais, bah ouais, mais frère, je dois faire 15 000 trucs pour trouver le dragon. Laisse-moi l'affronter direct, hein. Ah ouais, faut aller repérer et tout. Oh là 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 là.
Depuis tout à l'heure, je fais que des trucs secondaires. Maintenant, on va voir ce qu'il y a par ici. Je pense pas que... Ah, lui, non. Je t'écoute. Allez, je t'écoute. Beaucoup de... En fait, tout ça, c'est secondaire, mais moi, j'aimerais bien affronter directement le dragon, mais là, je vais devoir couper plein de trucs. J'ai fait plein de trucs inutiles, des combats pas mal, mais... Alors, que s'est-il passé? Je ne me souviens pas. Tu te souviens pas, tu te souviens de rien, de toute façon. Que je voulais refaire ma vie. As-tu vu quelque chose qui puisse nous aider à trouver l'autre moitié de ton sablier? Il y avait... trois chutes. Chutes d'eau. Je me souviens avoir souhaité vivre... Ouah, frère, tu mets trop de temps à parler, voilà. Raconte ta vie, mais parle vite aussi. Odin devait être vraiment hors de lui quand Freya l'a quitté. Odin n'aurait reculé devant rien. C'est pourquoi il a envoyé Thor. Que fais-tu de Faye? A-t-elle défié Thor? Ou bien Odin? Qui sait? Mais la vérité nous attend. Ok, il y a eux là, ils veulent pas bouger. Même eux, je peux pas les, en fait, les combattre. En fait, tant que je n'ai pas pensé... Ah, il va me faire chier tant que je le fume pas. Hein. Est-ce que d'ici je peux utiliser la technique? Ah ouais! Ah ouais, chute de con. Ah voilà! Oh, le bruit là, c'est le dragon pas, qu'on a vu. Est-ce que le bruit là, il est lié au dragon qu'on a vu? On va voir ça, on va découvrir ça. Putain, mais non. Gare à ma tête près de ces murs, mon frère. Ne suis-je pas toujours prudent avec toi? Oh si, tu es tellement délicat. Si une chose a détruit ce tunnel sur son passage, elle doit être grande. Grande ou petite, toutes les créatures ont un point faible. Exactement. C'est calme tout à coup. Oh là, enfin les frères! Enfin! Enfin! Pourquoi y a-t-il toujours un maudit dragon? Voilà! Le combattant attendu, on cherchait la source du problème. Je vous jure que j'ai un problème avec ma play. Elle s'éteint toujours comme ça. Soit c'est le cordon d'alimentation, soit on a le problème d'un play qui est debout et qui fonctionne plus. Mais à chaque fois, il m'arrive ça, en fait. À chaque fois que je joue, des fois, ma play, elle s'éteint tout seul. Alors qu'elle n'est pas chaude, hein. Mais à chaque fois, elle s'éteint tout seul. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Allez, ça arrive avec God of War. Donc, retour les frérots, après que ma flèche est crachée. Après que ma PlayStation est crachée, donc, j'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé la console, l'intérieur, avec la poussière, j'ai enlevé la poussière, j'ai fait une restructuration de données, j'ai vidé le cache, j'ai mis en mode sans échec, j'ai tout nettoyé, même la poussière, j'ai enlevé le ventilo, tout. Donc, on est arrivé pile ici pour affronter un dragon, et on va le faire. Logiquement, là, normalement, il devrait avoir aucun souci. Donc, l'enfoiré est un peu énervé, on va lui péter la tronche. Par contre, je voulais vous dire... Ah, merde, ça n'a pas marché. Je vais pas tout vous faire voir dans tout ce qu'il y a sur cette île secondaire. On va surtout faire des dragons, hein. Je pense que c'est mieux, c'est qu'on fasse les dragons, parce que... Il y a trop de choses à faire. Trop de choses. Mais quand je vous dis trop de choses, c'est... Il y a vraiment trop de choses. Je vous fais voir juste les deux dragons. Parce que c'est beaucoup de collectibles.
beaucoup de trucs banals à faire. Et si je vous fais pouvoir, on en a encore jusqu'à très longtemps. Et il attaque là. Voilà, hop. 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 Non, mais le feu. Hop, et non, le cul. Ah, le bâtard. Hop, hop, hop. Attendez, on va se... Ah! Ouais, il m'a tué, le chien. Ouais, il m'a tué, bêtement. Voilà, bêtement, il m'a tué. Et comme je disais, je vais pas tout faire voir ce qu'il y a sur l'île. C'est pas très intéressant. Ce que je vais faire plutôt, c'est de vous faire voir les combats avec les deux dragons principaux qu'on peut combattre sur cette île. Parce que le souci, si je vous fais tout voir, il y a trop de collectibles, c'est des boss secondaires qu'on a déjà vu 15 000 fois. Franchement, ça vaut pas le coup. Et à chaque fois, c'est juste des petits dialogues où ils disent « Ah, on lui avait promis le paradis. Mais qui a fait ça ?» Ben, Odin. En gros, c'est juste, ça rajoute des petits dialogues, ça explique vite fait ce qui se passait sur l'île. Mais c'est tellement secondaire que ça vaut pas la peine vraiment de que je vous fasse tout voir. Quoi. Ouais, il est chaud, hein. Toujours un dragon. Voilà, hop. Merci. On va lui envoyer ça. Voilà, comme ça, on lui a bien fait mal. Hop. On va lui faire ça. Voilà. Là, déjà, on l'a bien amoché. Ouais, je l'ai fait en plus, le con. Ouais, j'allais lui faire un super coup. Oh là là, il est tendu, hein. Ah, il y a un peu de combat, hein. Ouah, j'ai ralenti le temps. Ah, je suis passé derrière lui. Ah, il y a un peu. Allez, Atrius. Mais non. Voilà, on a fini tout. Voilà, on a déjà vu ce boss plusieurs fois. Hein. C'est pas un boss qu'on a jamais vu. Hein. Présence d'un tel monstre. On doit toujours à l'inattendu, pas vrai? Espérons que ce soit la fin des tremblements. Donc vous voyez, après. Avec cette vallée, il y fera peut-être bon. C'est plein. En fait, c'est une île secrète. Elle est magnifique cette île. Hein. Je dis pas le contraire. Mais il y a énormément de choses secondaires. Bah en même temps, c'est normal. C'était prévu quoi. Les Mashrock, on a déjà battu. Regardez. C'est un boss, c'est une alternative d'un boss qu'on a déjà battu. Ajoute une petite quantité de régénération permanente de santé. Ah, par contre, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Donc, ouais, vraiment, c'est un boss qu'on a déjà battu 15 000 fois. C'est pas un boss nouveau. C'est pas un boss qu'on a jamais fait. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais sous des formes différentes ou des choses différentes. Donc, c'est pas un boss vraiment exclusif. Par contre, les deux dragons qu'il y a, c'est des boss exclusifs. Mais tout le reste qu'il y a sur cette île, absolument tout, c'est que du secondaire. C'est quasiment que des quêtes FedEx. On va te dire, va me ramener un bout de culotte parce que j'ai arraché mon string. Vous m'avez compris quoi? C'est vraiment, c'est que des quêtes FedEx, quasiment. Après, moi, je kiffe le jeu, donc c'est pas pour me déplaire. Mais c'est pas... Voilà, hop, là, cette porte, on va l'ouvrir. Hop. C'est vraiment pas un truc où vous allez avoir 15 000 choses exclusives, quoi. Vraiment. C'est pour ça que je vois pas l'intérêt de vous faire voir tout ça. Vraiment, je vois pas l'intérêt. Je préfère vraiment que je fais les... Je vous ramène devant les deux boss dragons et que vous les voyez, hein. C'est bien mieux si vous les voyez par vous-même, hein. Je pense que... Et vous voyez un peu ça, vous faites comme ça, vous voyez un peu le jeu comment il est. Moi, j'ai dit plusieurs fois, vous voyez, là.
Vraiment trop. Trop de fois. J'ai trop de fois voyé là. C'est pas bon ça. Donc hop, et il y a plusieurs ces petits trucs. En fait, ces petits cristaux là, j'ai appris que. On doit les balancer dans la flotte quelque part pour en faire une armure. Vous voyez, et c'est vraiment une armure apparemment bien. Et franchement, c'est encore. Vous voyez, c'est que des poèmes. C'est que des poèmes. C'est que des trucs secondaires. Une histoire d'Orient contée au poète Gvasir qui l'a ensuite embelli. L'érable gémit, trois hommes tombés au combat, le vent souffle encore. Et vous voyez, en fait, c'est que des trucs secondaires, c'est des boss secondaires, des coffres secondaires. Vraiment, il n'y a rien de particulier. Ça permet d'améliorer le personnage, mais ce n'est pas des choses, en fait, que vous voulez forcément voir, vous. Parce que, en tout cas, là, on est quasiment à la fin du jeu. Donc, les gameplays vont s'arrêter très prochainement sur God of War. Sûrement, je vais faire une compilation de boss, c'est-à-dire tous les Berserkers qu'on n'a pas déjà fait. Et les derniers boss qui resteront, sûrement des boss endgame. Donc je vous ferai sûrement une vidéo spéciale sur ça. Et après on va partir sur des nouveaux jeux, de nouvelles sorties qui arrivent. Là il y a Dead Space, je crois que c'est le 24 ou 27 qui arrive. Il y a aussi Hogwarts Legacy, que vous allez pouvoir voir du gameplay en exclusivité sur la chaîne. Parce que oui, je vais pouvoir avoir le jeu quelques jours avant les autres. Et c'est pas un partenariat, c'est juste dû à ma précommande. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez pensé de cette île. Et je pense que le prochain épisode sera les deux boss dragons qu'on va voir. Puis après, sera l'histoire directement. On clôturera sûrement l'histoire d'ici quelques jours. On verra, je ne sais pas, il reste combien de temps. Mais je sais qu'on est à la fin. Donc je vous remercie à tous encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, ça donne de la force. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était le bonhomme masqué PDG et à très très vite. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Parce que s'abonner, ça troll le cul!